ça a tellement changé, en fait, parce que quand j'ai commencé, il y avait très peu de femmes. Elles étaient fortes, elles étaient formidables, mais elles n'étaient pas très nombreuses. Donc, moi, je suis rentrée avec un programme de discrimination positive parce qu'il fallait faire rentrer des femmes dans ce métier-là. Mais aujourd'hui, il y a autant de femmes que d'hommes dans la salle des nouvelles, sinon plus. Et puis surtout, l'information est dirigée par une femme. On a une directrice de l'information, on a une direction qui est très féminine maintenant. Et ça, c'est un énorme changement parce qu'à l'époque, tous les patrons que j'avais étaient des hommes. Donc là-dessus, on a fait beaucoup de progrès. Mais il nous en reste encore à faire, il reste du chemin à faire sur le choix des invités, par exemple. On a beaucoup plus d'invités masculins que d'invités féminins, donc ça, c'est un changement. Je pense qu'il faut apporter ce changement-là encore. Donc une meilleure représentation des femmes dans le choix des invités qu'on peut avoir dans les téléjournaux. Et puis, il y a toute la question, bien sûr, des personnes de la diversité. Donc, on a énormément de chemin à faire encore. Pour les femmes, ça va mieux, mais il reste encore des choses à faire.